Le président de la République se trouve depuis ce midi à Ouagadougou, Burkina Faso. Idriss Déby participe aux travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel sur l'énergie et celui de la CEDEAO consacré à la lutte contre le terrorisme. Reportage à suivre en volet 1 de ce journal. La nouvelle équipe du cadre national du dialogue politique a officiellement été installée hier par le chef de l'État au cours d'une cérémonie à la présidence de la République. Le CNDP, la CENI et le BPN sont appelés à tout mettre en œuvre pour organiser les élections libres et transparentes. Et puis en sport, le match de la Supercoupe de la Ligue de football féminin s'est joué hier soir au stade Idriss Mamadouya. Un match qui s'est soldé par la victoire du Retrouvailles FC face au Secus FC. Score final, 1-0. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de suivre le 20h sur la chaîne nationale. Dans l'actualité ce soir, le président de la République, Idriss Déby Itno, se trouve depuis ce midi à Ouagadougou, Burkina Faso. Il participe aux travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel sur l'énergie qui a lieu cet après-midi même et au sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la lutte contre le terrorisme prévu demain, samedi. À son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou, il a été accueilli par le président du Faso, Roch Marc Christian Kabore. Nasson Nouditi. Créée le 28 mai 1975 à Lagos au Nigeria, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tient ce 14 septembre à Ouagadougou, au pays des hommes intègres, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO consacré sur la lutte contre le terrorisme. La CEDEAO regroupe 15 États membres que sont Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo et le Maroc comme pays observateur. 24 heures avant la réunion au sommet, l'avion ayant en son bord le chef de l'État Idriss Déby Itno atterrit à l'aéroport international de Ouagadougou. Au bas de la passerelle, le président du Faso, Roch Marc Christian Kabore. Il avait à ses côtés l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad au Burkina Faso, Madame Kat Ndilgem Elisabeth, le personnel de la représentation diplomatique tchadienne, les corps constitués et la colonie tchadienne au pays des hommes intègres. La diplomate tchadienne, accrédité auprès du président du Faso, Madame Kat Ndilgem Elisabeth, monte dans l'avion pour inviter le chef de l'État à descendre. Remise des bouquets de fleurs, chaude accolade, suivie d'une longue poignée de main entre son homologue, Roch Marc Christian Kabore. Le chef de l'État Idriss Déby Itno monte sur l'estrade pour l'exécution de l'hymne de l'Union africaine. Idriss Déby Itno passe ensuite la troupe en revue qui lui rendait honneur avant de serrer les mains respectives des corps constitués composés de ministres, plénipotentiaires et haute administration. Tous ces microcosmes étaient à l'aéroport pour souhaiter la bienvenue à l'invité spécial de la CEDEAO qui a fait le déplacement du Burkina pour partager ses expériences en matière de lutte contre le terrorisme avec ses pairs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La colonie tchadienne établie à Ouaga est également sortie pour communier avec son président. Le président de la République et son hôte se retirent ensuite au salon d'honneur où ils échangent pendant une dizaine de minutes sur le sujet inscrit à l'ordre du jour du sommet extraordinaire de la CEDEAO où le président tchadien est l'invité spécial.
Idriss Déby Itno est accompagné dans son déplacement en terre burkinabé des ministres des Affaires étrangères Mohamed Zene Chérif, de la Défense nationale Mohamed Abali Sala, de l'économie et de la planification du développement Issa Doubraine, et des finances et du budget Khair Hamid Nguilim, ainsi que quelques-uns de ses proches collaborateurs. En marge du sommet extraordinaire de la CEDEAO, a lieu ce 13 septembre un autre sommet du G5 Sahel, placé sous le thème « Exploiter l'énergie solaire pour le développement socio-économique des pays du G5 Sahel », un projet initié par le président de la Banque africaine du développement BAD, Dr. Akouemi Adesina. Voilà, sur place ici à N'Djamena, la nouvelle équipe du cadre national du dialogue politique a officiellement été installée hier par le chef de l'État au cours d'une cérémonie à la présidence de la République. Le CNDP, la CENI et le BPN sont appelés à tout mettre en œuvre pour organiser les élections libres et transparentes suivant un chronogramme réaliste. Retour sur la communication du président de la République avec Djibril Noualwali. C'est sur les épaules de ces hommes et femmes que repose la lourde responsabilité de conduire le processus électoral à bon port, une mission d'une importance capitale pour le pays, dont les enjeux ont été rappelés par le président de la République Idriss Déby Itno. Selon le garant du processus, le renouvellement du CNDP, la composition de son bureau, ajouté au cadre juridique et à l'installation de démembrement de la CENI, constitue une avancée remarquable. À la lumière de cette évolution, le président de la République trouve que le moment est venu pour accélérer le rythme du travail afin de rattraper le temps perdu ces dernières semaines. Cela passe par l'élaboration et l'adoption d'un chronogramme réaliste déclinant toutes les séquences du processus électoral jusqu'à la tenue effective des différentes échéances. En plus du calendrier, le CNDP, la CENI et le Bureau permanent des élections BPE, de concert avec la classe politique, sont appelés par le président de la République à proposer un délai adapté et indiqué pour la convocation du corps électoral qui est actuellement de 4 mois, ce qui amène à la révision du code électoral dans l'optique de donner à la CENI une marge de manœuvre opérationnelle plus souple. Le souci de consensus a également amené le chef de l'État Idriss Déby Itno à adhérer à une autre réclamation de l'opposition concernant le mode du scrutin de législatif et à la caution exigée pour les candidatures aux présidentielles. Tout ceci n'occulte pas la question de la composition de la nouvelle Assemblée nationale. Le projet de loi organique à finaliser devra tenir compte de la résolution du Forum national inclusif qui a fixé le nombre de députés à 155, un effectif qui inclut les représentants des nomades et des Tchadiens de l'étranger, a rappelé le chef de l'État. Tous ces défis ne peuvent être relevés si les membres du CNDP ne font pas preuve de sérieux et d'objectivité. Par conséquent, l'équipe entrante est appelée par le président de la République au dépassement permanent des clivages et au patriotisme à toute épreuve en agissant dans l'intérêt supérieur de la nation. Le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie, Mahamat Tahir Orozi, est à Mundu, dans la province du Logone occidental. Il a visité quelques infrastructures de l'aéroport de la capitale économique. Envoyé spécial Marali Joséphine. C'est le gouverneur de la province du Logone occidental, entouré du maire de la ville de Mundu et des forces de défense et de sécurité ainsi que quelques personnalités locales qui accueillent chaleureusement le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Mahamat Tahir Orozi. Après ses poignées de main, le ministre et la délégation qui l'accompagne, notamment le directeur général de son département, celui de la DAC, le délégué directeur général de la SEGNA et quelques cadres se sont rendus au gouvernorat pour une visite de courtoisie. Un cadre qui a permis au ministre de dévoiler l'objet de sa mission dans cette partie du pays. Après ce bref aperçu, la délégation ministérielle a mis le cap sur l'aéroport situé à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville. Ici, c'est le pavillon présidentiel qui accueille le ministre. Une visite guidée du pavillon a permis à celui-ci d'être informé sur les travaux effectués. Mahamat Tahir Orozi, l'air serein, a donné des instructions pour que les manquements constatés soient corrigés, et ce, dans un délai raisonnable. L'étape suivante est consacrée à la salle d'arrivée, à celle d'embarquement, à la centrale électrique et à la tour de contrôle.
Là également, des explications détaillées liées aux installations techniques lui ont été fournies par les spécialistes du service de la sécurité pour la lutte contre l'incendie du terminal de fret non encore opérationnel en passant par le système de distribution électrique et du balisage lumineux nouvellement installé. Le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie a reçu d'amples explications relatives aux travaux de génie civil et a notifié quelques insuffisances non négligeables. Le ministre Mahama Tahir Orozi a demandé à l'entreprise CFHEC de s'y mettre tout en respectant les clauses du contrat, car, dit-il, l'aéroport reflète l'image du pays. Par conséquent, il doit répondre aux normes internationales. Le ministre promet s'investir pour l'installation des équipements de navigation aérienne pour boucler la mise aux normes de l'aéroport. Aujourd'hui, 13 septembre, l'organisation africaine célèbre ses 50 ans d'existence et la 20e édition de la Journée africaine de la propriété intellectuelle. Pour donner un cachet particulier à ces anniversaires, l'organisation a mobilisé experts, créateurs et chercheurs pour discuter de la solution apportée au changement climatique. La rencontre est présidée par la ministre du Commerce, Achta Djibril-Sy, par ailleurs présidente du conseil d'administration de l'OAPI. Reportage, Angal Tokolok. Pour marquer ses 57 ans d'existence au service du développement des États, via la reconnaissance de leur savoir-faire, l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle, OAPI, s'attaque à une préoccupation planétaire, le changement climatique. À l'ordre du jour de ce colloque, la prise en compte de la propriété intellectuelle dans la lutte contre ce phénomène. La question des effets du changement climatique est aussi une préoccupation pour l'organisation, qui ambitionne d'être un office de propriété industrielle moderne au service du développement de ses États membres. Trouver des solutions aux effets du changement climatique et par une utilisation judicieuse du système de la propriété intellectuelle. C'est donc à raison que l'attention du monde est focalisée sur ce sujet. À ces rendez-vous, les experts sont appelés à agir pour inverser la courbe ascendante du réchauffement climatique et à défaut pour atténuer ses effets. Pour gagner ce pari, la ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé prône un partenariat renforcé contre ce phénomène. Il est temps d'envisager des solutions endogènes, notamment par la contribution de la propriété intellectuelle. Tout d'abord, la recherche de l'information, sa maîtrise, son exploitation, son appropriation par les chercheurs et les inventeurs. La deuxième chose qui est essentielle pour la promotion de la propriété intellectuelle, c'est le partenariat. Le partenariat qui doit être actif au niveau national entre les chercheurs, les universitaires, les inventeurs et naturellement le gouvernement de la République. Selon les experts, la conférence de N'Djamena permettra de baliser la voie pour la mise en œuvre des stratégies adaptées afin de faire face aux effets néfastes du changement climatique. Par rapport toujours à la date anniversaire de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, le directeur général de l'institution était face à la presse hier. Il a échangé avec les professionnels des médias sur l'importance de l'OAPI pour le développement des États membres. Nous retrouvons Angal Tokolok. Les États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, rêvent grand. Ils veulent se hisser au niveau des puissances mondiales. Et ce, grâce aux recherches et inventions des Africains. Pour contribuer à l'atteinte de cet objectif, l'OAPI stimule et protège la recherche et l'innovation dans les États membres. Arrivé au Tchad dans le cadre de la célébration de l'an 20 de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, le directeur général de la dite organisation échange avec la presse. De ces discussions, il ressort que la propriété intellectuelle est importante pour le développement des pays membres. Lorsqu'on parle de propriété intellectuelle, on parle d'intelligence humaine.
Il s'agit en réalité d'un mécanisme de valorisation des produits de l'intelligence humaine. Et fort heureusement, vous avez dans cette salle des chercheurs, des inventeurs et autres qui tous concourent au système de la propriété intellectuelle. L'OAPI délivre chaque année 18 000 titres de propriété intellectuelle aux chercheurs et créateurs dans les États membres. Chose méconnue des Tchadiens qui sont à la traîne des demandeurs des brevets en 2018 avec seulement 6% de postulants. Nous invitons la presse, envie de changer avec elle, pour voir dans quelle mesure elle peut relayer l'information auprès des populations. Fini le débat avec les hommes de médias sur l'importance de la propriété intellectuelle pour le développement des États africains. Le directeur général de l'OAPI procède à l'ouverture du séminaire organisé à l'intention des chercheurs et inventeurs tchadiens. Pour le progrès du Tchad, ces acteurs vont débattre des sujets en lien avec la protection des résultats de la recherche à l'OAPI. Suite au recrutement de 473 nouveaux médecins à la fonction publique, le président de l'Ordre des médecins du Tchad se réjouit et préconise pour, par ailleurs l'organisation des stages à ces nouvelles recrues avant de les envoyer sur le terrain. Le reportage est signé Nakuru Barakaï. Conscient de l'importance de la santé dans la vie d'une nation et des besoins du système sanitaire du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno a instruit lors de la cérémonie de remise officielle des diplômes aux médecins formés au Cuba le recrutement immédiat de ces derniers à la fonction publique. Un mois plus tard, la promesse du chef de l'État se matérialise. Par conséquent, ce qui fera gonfler le nombre insignifiant de médecins par habitant au Tchad, selon les spécialistes de santé. Pour le président de l'Ordre national des médecins du Tchad, l'initiative est à saluer. Mais le renforcement des capacités de ces nouvelles recrues avant leur descente sur le terrain est indispensable. S'il y a un apport de médecins, ça ne peut que réjouir l'Ordre. Parce que son vœu, c'est que en tout cas, la population en tout cas, ait des soins. L'État a le droit en tout cas, de recruter en tout cas, des médecins. Mais le médecin, une fois recruté, alors là, il est obligé de se mettre donc au règlement qui régit la profession. Au nom de l'institution que je dirige, je pense qu'il serait idéal que, en tout cas, ces médecins, surtout ceux qui viennent de l'extérieur, soient soumis en tout cas à une période de stage. Il faut qu'ils fassent un peu connaissance de terrain. Quant aux nouvelles recrues, l'enthousiasme est à son comble. Un sentiment de beaucoup de joie et d'allégresse pour notre recrutement à la fonction publique, juste un mois après la décision. Nous sommes vraiment fiers. Le président de la République, chef d'État, président Idriss Déby Itno, qui a déclaré dans notre cérémonie des remises officielles des diplômes, qui a dit qu'immédiatement nous serons intégrés. Aujourd'hui, on a déjà eu notre intégration et nous remercions sincèrement. Comme la solidarité l'exige, il nous en passe de prodiguer des conseils à leurs cadets qui rêvent aussi d'embrasser la carrière. Le message que nous voulons transmettre à nos cadets qui sont encore dans les facultés de médecine, c'est qu'ils aient beaucoup de courage. La route est longue, elle est difficile, elle est parfois périlleuse, mais avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de volonté, beaucoup d'efforts, surtout dans le sens des études, alors c'est possible. Je dirais à mes cadets de continuer leurs efforts et de continuer leurs études pour terminer bien leur formation. Et Inch'Allah, nous espérons que dans bientôt, une fois fini, ils seront aussi intégrés, comme l'avait dit le président de la République, pour améliorer notre système de la santé. Ce qui est sûr, l'espoir placé en ces nouveaux médecins est de taille et les défis qui les attendent sont nombreux. Le secrétaire général du Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur, Kames Bertrand Bachi, a eu une séance de travail avec les responsables des établissements privés d'enseignement supérieur. L'évaluation du système d'enseignement dans ces établissements était au centre des échanges. Mamad Souleymane. Évaluer les établissements d'enseignement supérieur privés et la présentation du plan stratégique de développement du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, Kames, ce sont là
Les mobiles de la rencontre entre les secrétaires généraux du CAMES et les responsables des établissements privés d'enseignement supérieur. Ces plans stratégiques visent à moderniser la gouvernance, soutenir la formation et de doter les CAMES d'un code d'éthique et de la déontologie. Le directeur général de l'enseignement supérieur rappelle l'engagement du gouvernement pour la promotion de ce secteur. Depuis 2011, ce texte juridique réglemente le secteur privé de l'enseignement supérieur au Tchad. Ceci traduit la volonté des plus hautes autorités du Tchad de vouloir contrôler et de réguler les institutions de l'enseignement supérieur au Tchad. Le secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur situe l'objectif de la rencontre. L'idée, c'était de montrer le chemin parcouru et d'inviter tout le monde à s'approprier cette démarche qui permet de bâtir une vision partagée afin que tous ensemble, nous puissions construire un espace d'enseignement supérieur compétitif, attractif pour les partenaires et qui est un levier de développement. Bertrand Bachy lève le voile sur la formation en master. Dans le système d'accréditation CAMES et dans le système francophone de manière générale, les masters, les détenteurs de masters ne peuvent pas enseigner. C'est un étudiant qui enseigne à un autre étudiant qui est du même niveau que lui. Ce n'est pas un professeur. Et ça déprécie la qualité de la formation. Depuis sa création en 1968, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur a œuvré sans relâche pour la promotion de l'enseignement en Afrique. Il regroupe 19 pays africains, a comme siège Ouagadougou, la capitale burkinabé. Le gouverneur de la province du Wadaï a installé le nouveau préfet du département de Djourfal dans ses nouvelles fonctions. Les détails avec Dido Mamad Baraka. Après avoir passé un mois et 11 jours à la tête du département de Djourfal Ahmar, Rosi Bachar Issa cède sa place à Achafi Issa Abbo. Dans son discours bilan, le préfet sortant a remercié les autorités locales pour leur appui et orientation durant son séjour à la tête du dit département. Rosi Bachar Issa demande à ses collaborateurs de garder le même esprit d'équipe pour permettre au nouveau préfet de mener à bien sa mission. Installant le nouveau préfet du département de Djourfal Ahmar, le gouverneur de la province de Wadaï, Ramadan Erdibou, a tout d'abord rendu un hommage mérité au préfet sortant et à l'ensemble des responsables de la localité pour les efforts fournis en matière de sécurité des personnes et de leurs biens. Ramadan Erdibou se réjouit également du calme qui prévaut dans le département de Djourfal Ahmar. Pour le gouverneur, c'est le seul département qui n'a jamais connu des conflits intercommunautaires et éleveurs-agriculteurs. S'adressant au nouveau préfet du département, le gouverneur de la province de Wadaï, Ramadan Erdibou, lui a rappelé sa mission qui consiste au maintien de la paix et de la sécurité dans le département. Au sujet de l'instauration de l'état d'urgence décrété dans la province, le gouverneur a invité le responsable à divers niveaux au respect strict de ces mesures pour le bien-être de la population. Le recouvrement des recettes de l'État, le désarmement de civils et la protection de l'environnement n'ont pas été perdus de vue par le gouverneur. Le nouveau préfet du département de Djourfal Ahmar, Achafi Issa Abbo, remercie les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en sa modeste personne en le nommant à la tête du département. Achafi Issa Abbo compte sur le concours et le soutien de ses collaborateurs pour la réussite de sa mission. L'éducation des enfants et surtout celle des filles et la protection de l'environnement demeurent parmi ses priorités. La signature du procès verbal a mis terme à la cérémonie. Voilà, une cérémonie similaire a lieu également dans le département de la Niapende. La cérémonie est présidée par le secrétaire général de la province du Logono occidental. Reportage. C'est une population nombreuse qui est sortie à la préfecture de Doba pour assister à cette cérémonie d'installation
du nouveau préfet du département de la Pende. C'est par décret numéro 1372/PR/MATCD/2019 du 2 septembre 2019 que M. Hamid Kondou Ali est nommé préfet du département de la Pende en remplacement de Oumar Ali Ousmane. Dans son discours bilan, le préfet sortant du département de la Pende a remercié d'abord les autorités pour la confiance placée en sa personne pendant 3 ans et 6 mois, tout en décrivant la circonscription départementale à son successeur. Oumar Ali Ousmane demande à ses collaborateurs de continuer dans le même élan de travail avec son successeur. Le secrétaire général de la province du Logon Oriental, Adam Adami Youssouf, en installant le nouveau préfet, remercie le sortant pour sa collaboration et le travail abattu pendant ces 3 ans et demi. Il a rassuré le nouveau préfet de son soutien avant de lui prodiguer des conseils. En cet instant, vous êtes dépositaire des pouvoirs de la République et vous représentez à cet effet, dans le ressort territorial de votre circonscription, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, ainsi que tous les autres membres du gouvernement. À ce titre, vous assurez sous le contrôle du gouverneur de la province la coordination des services publics et parapublics implantés dans le département de la Pende. Vous veillerez au strict respect des lois et règlements de la République et la restauration de l'autorité de l'État. Dans son mot de remerciement, le nouveau préfet du département de la Pende, Hamid Kondou Ali, se dit rassuré de la tâche qui l'attend. Il s'agit d'assurer la paix, la sécurité et favoriser le développement du département de la Pende. Il demande la collaboration et l'implication de tous pour mieux accomplir cette tâche. Juste après la cérémonie, le préfet sortant Oumar Ali Ousmane et le nouveau préfet Hamid Kondou Ali ont signé un procès-verbal marquant ainsi la concrétisation du décret nommant le nouveau préfet du département de la Pende. Voilà, c'était là donc l'installation du nouveau préfet du département de la Pende, une cérémonie donc présidée par le secrétaire général de la province du Logone oriental et non occidental. La suite de cette édition, toujours dans le cadre à Abéché, repartons à Abéché, dans le cadre de l'état d'urgence, nous allons suivre les impressions de quelques concitoyens par rapport à la prorogation de l'état d'urgence donc dans les 3 provinces concernées. 3 semaines, puis 4 mois, l'état d'urgence apporte ses fruits, disent les citoyens rencontrés à travers la ville d'Abéché. Depuis l'instauration de l'état d'urgence pour la première période le 19 août dernier, aucun cas de conflit n'a été signalé dans l'Ouadaï, expliquent les citoyens. Je crois qu'en tant que citoyen, si cet état d'urgence a pu solutionner le problème, les conflits intercommunautaires, nous adhérons parfaitement. Il faut que cet état d'urgence puisse être mieux maîtrisé et renforcer même le pouvoir de l'autorité administrative au niveau local pour imposer des solutions. L'État a prolongé la durée de l'état d'urgence pour le bien de la population et surtout pour le bien de la population de l'Est. Donc, en ce qui me concerne, je crois que si l'État a prolongé l'état d'urgence, je suis parfaitement d'accord. Est-ce que cela permet de sécuriser les provinces? La prolongation ne pourra être que la bienvenue. Et nous avons eu à constater qu'avec cette prolongation, le but sera atteint. Et il faut que vraiment on arrive à asseoir vraiment cette paix. Nous, en tant que citoyens lambda, nous apprécions vraiment cette prolongation. J'apprécie l'état d'urgence. Ça, c'est une bonne chose pour la sécurité de ces 3 régions. Et vraiment, c'est une bonne chose si l'état d'urgence nous amène plus que ça la sécurité. Donc, le gouvernement doit ajouter même, nous sommes parfaitement d'accord. Autre aspect positif et non du moindre, les hommes qui avaient l'habitude de passer des heures et des heures en dehors des familles se ressaisissent, dit cette femme, qui apprécie également la décision du gouvernement tendant à ramener la paix. Cette initiative a même réglé le problème de la province. Depuis que cet état d'urgence a été mis dans la province du Ouada, on n'a pas du tout écouté quelque chose. Du côté de la politique, le secrétaire provincial du MPS du Ouada, Abbas Abdelkrim Badour,
par leur décision idoine pour mettre fin au conflit intercommunautaire. Nous, en tant qu'hommes politiques de la région, approuvons cette décision qui a commencé déjà à mener quand même ses fruits. Le calme est certes revenu, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que le désarmement des civils continue pour éradiquer totalement ces mâles, quoi. Et nous remercions M. le Président de la République qui est venu personnellement sur le terrain et il a pris cette décision. Le gouvernement est appuyé aussi dans la lutte contre les conflits intercommunautaires par les religieux. Le Conseil islamique du Wadaï a réuni ce jeudi les imams des mosquées de la prière de vendredi pour unifier le message. Un seul mot, la cohabitation pacifique, comme nous l'explique ici Abdelbassit Senoussi, chargé des affaires sociales. La prière de vendredi de mai dans toutes les mosquées de la ville d'Abéché, il y a un seul sujet qui sera dit, lu et débattra par tous les imams, à savoir l'objet de la cohabitation pacifique et le comportement vis-à-vis des états d'urgence que nous vivons actuellement. Nous avons une projection dans presque 3-4 vendredis du mois en cours. Nous avons sillonné toute la ville et pouvoir faire des conférences, des sensibilisations en masse dans la ville, dans tous les arrondissements de la ville d'Abéché. Et après cela, peut-être nous allons nous organiser de sillonner tout le département ou voire même toute la province du Wadaï pour une meilleure sensibilisation et pour une cohabitation pacifique meilleure. L'état d'urgence ne perturbe pas le quotidien des citoyens qui vaquent normalement à leurs occupations. Même si la circulation s'arrête à partir de 22h, les repos y est. Et le jour suivant, chacun reprend ses activités en pleine forme. Voilà, c'est un reportage signé Dido Mamat Barka. Restons dans le même ordre d'idée. Le gouverneur de la province de Sila, Kedela Younous Hamidi, s'est donc rendu dans le département d'Abdi. Sur place, le gouverneur a constaté l'appropriation des mesures par la population qui a volontairement adhéré. Remis, pardon, les armes de guerre. Reportage Ben Arabi Abdirazak. La population du département d'Abdi répond favorablement à l'appel des plus hautes autorités de la République. Des armes et des motos regroupées dans le cadre de l'état d'urgence, dont la grande partie est ramenée par la population elle-même, ont été présentées à la coordination de sécurité chargée de suivi des activités de l'état d'urgence dans le Sila. Occasion pour le préfet Ismaïl Yamouda Diorbo de saluer la parfaite collaboration entre les autorités de la place et la population. Depuis le premier jour, rien n'a été signalé jusqu'à aujourd'hui. La situation est totalement calme et sous contrôle. Pour le gouverneur Kedela Younous Hamidi, malgré ce travail salutaire, des efforts restent à fournir pour atteindre les résultats escomptés. Par rapport aux instructions du chef de l'État, vous êtes mis aussitôt au travail, vous et votre équipe civile et militaire, et ce travail a donné un résultat palpable, un résultat tangible. Votre résultat est appréciable, très appréciable. C'est pourquoi, au nom du chef de l'État, au nom du général coordinateur de l'État d'urgence, au nom de tous les collaborateurs et à mon nom propre, je vous félicite vivement, chaleureusement, solennellement pour les efforts faits, pour les efforts fournis et surtout pour les résultats donnés. Compte tenu de la gravité de la situation, je vous exhorte à continuer avec le même élan, la même ardeur, la même détermination, car il reste encore des montagnes à soulever, car il reste encore un grand travail. Le coordonnateur du comité de sécurité chargé des suivis des activités de l'état d'urgence dans le Sila, le général Mohamed Souleymane, loue l'exemplarité des habitants du département d'Abdi. Il rassure de sa disponibilité à œuvrer dans le sens du rétablissement de l'ordre dans le Sila. Deux présumés instigateurs du conflit ont été aussi présentés. Ils seront remis à la justice qui statuera sur leur sort.
trois présumés malfrats opérant dans la province de Bahr el Ghazal mettant à mal la quiétude de la population ont été appréhendés par les agents de la sécurité et présentés aux autorités locales. Amat Ali Daladou. Trois malfrats opérant dans la zone du département de Kleta, province de Bahr el Ghazal, ont été appréhendés par les éléments de la police nationale de la dite province. C'est en présence du secrétaire général de la province de Bahr el Ghazal, Ali Youssouf Kella, et le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Moussourou, Adil Manna Bachar, que le délégué provincial de la police du Bahr el Ghazal, le colonel Saleh Agar Tidjani, a présenté ses malfrats à la presse. Ces trois malfrats ont attaqué un véhicule sur l'axe Michimire Mao et ont blessé un commerçant. Le blessé est transféré en N'Djamena pour des soins. Le secrétaire général de la province du Bahr el Ghazal, Ali Youssouf Kella, a félicité les forces de défense et de sécurité pour le travail abattu. Nous les encourageons à faire davantage, non seulement dans l'axe Michimire Mao, mais aussi l'axe Ngoura Fizigi. Vous avez appris, comme tous les autres récemment, il y a eu la même situation dans cet endroit aussi. Donc, nous les encourageons à faire davantage leur mission. Le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Moussourou, Adil Manna Bachar, a promis que ces malfrats passeront à la barre en vue de répondre de leurs actes. Le procureur a aussi demandé aux forces de défense et de sécurité de continuer des investigations en vue d'arrêter les autres bandits opérant dans la province, signalant que ces malfrats opèrent avec deux motos et une arme AKM. Le nouveau marché du village d'Ourgalama, toujours dans le Bahr el Ghazal, est désormais opérationnel. La cérémonie a lieu en présence du préfet Amat Ali Daladou. D'Ourgalama, ville située à 120 km au nord-est de Moussourou, vient d'avoir un marché hebdomadaire. Il s'agit de chaque dimanche. La cérémonie d'ouverture a été officialisée par le préfet du département de Bahr el Ghazal Nord, dans Bangaoula Habkroyo, en présence des parlementaires, des chefs traditionnels, les représentants des partis politiques, des organisations de la société civile et les forces de défense et de sécurité. Le président du comité d'organisation, Salah Bakar Zen, a, au nom des membres du comité, remercié les différentes couches de la population pour leur présence à cette cérémonie. Le chef de canton d'Irguima, Abdurrahman Hamid Choui, le représentant de chambre de commerce du Bahr el Ghazal, Idriss Abdurrahman Kosei, le coordinateur des marchés de la province, El Hadj Mamad Zen Koremi, et le sous-préfet de Dourgalama, Haki Goukouni, se sont intervenus à tour de rôle pour manifester leur joie et encourager la population sur les efforts fournis pour l'ouverture de ces marchés. Le député Issaka Bakari a dans son propos tenu signifier que ces marchés ont un caractère public. C'est pourquoi il a demandé aux autochtones d'être réceptifs envers les autres. Pour le préfet du département de Bahr el Ghazal Nord, dans Bangaoula Habkroyo, l'ouverture des marchés est un acte de citoyenneté et qui entre dans la droite ligne de la politique du développement économique prônée par le président de la République, Idriss Déby Itno. Ce marché a plein de sens car il se trouve dans une zone d'élevage par excellence, a agité le préfet. Dans Bangaoula Habkroyo, a mis un accent particulier sur les taxes de marchandises et de bétail pour renforcer la caisse de l'État. Il convient de vous signaler que dans ce marché de bétail, on y trouve diverses espèces, des bovins, des ovins, des caprins et des asins. Les membres de l'association Les Amis du Livre ont fait un don constitué de manuels scolaires au collège et lycée de la ville d'Amdjaras, une manière pour eux d'encourager les élèves de ces établissements. Il est réceptionné par le délégué à l'éducation et à la jeunesse de l'Unité Est, Mamad Souleyman. Pour promouvoir l'excellence à l'école tchadienne, les membres de l'association des Amis du Livre, de concert avec leurs partenaires financiers, apportent leur soutien au système éducatif tchadien. Ils ont offert 400 livres au collège et lycée d'Amdjaras. Ces dons est estimé à 6 millions de nos francs. Pour Youssouf Korom, son association entend combler l'insuffisance des manuels scolaires dans cette localité. Nous savons qu'il y a un grand manque de manuels scolaires dans les provinces et c'est la raison qui nous a motivés à entreprendre cette action. Amdjaras est le premier à recevoir ces dons de 400 livres et notre vision, c'est de faire don des manuels scolaires avec l'aide de toutes les personnes qui souhaitent nous aider à réaliser cet objectif. En réceptionnant ces manuels scolaires, le délégué à l'éducation et à la jeunesse de l'UNEDI Est par intérim relève que ce geste vient à point nommé. Au nom du gouverneur de l'UNEDI Est et en mon nom personnel, trouvez ici nos sincères gratitudes pour ce geste
louable et surtout que ce geste intervient à l'orée de la rentrée scolaire 2019-2020. En effet, je puisse vous signifier que l'insuffisance des manuels scolaires constitue un réel problème pour la jeune province de l'Enedi-Est sur le plan éducatif. Les membres de l'association Les Amis du Livre entendent poursuivre ces gestes de bienfaisance dans d'autres provinces du pays. Ici, N'Djamena, à 3 jours de la rentrée administrative, certains établissements sont pratiquement dans l'eau. Les accès dans les salles de classe sont difficiles, voire impossibles. Le constat est signé Mamata Bakar Seyd. À 4 jours de la rentrée administrative, les choses semblent stagnantes. De l'eau à perte de vue, des herbes et bien d'autres états, c'est l'environnement qui prévaut dans certains établissements d'enseignement primaire et secondaire de la capitale. Cette situation conduit certains responsables à se tourner vers les autorités communales. Avant, la commune du 5e arrondissement nous appuie dans les préparatifs de la rentrée. Elle nous envoie du sable pour rembler la cour. Cette année, nous espérons qu'elle fasse autant. Nous sollicitons par la même occasion le concours de nos autorités et de bonne volonté afin que la rentrée soit effective à la date fixée. Au plan technique, les responsables scolaires se disent prêts pour la rentrée scolaire, mais cet obstacle dû à l'inondation est presque habituel. Les préparatifs chez nous, il y a quand même des préparatifs techniques. Ce qui est technique, nous sommes vraiment à jour. S'il s'agit de notre conseil d'orientation, ça a été établi. Les emplois du temps sont affectés pour les concerts. Mais dans le cadre environnemental, comme vous venez de constater, c'est la cour en pleine. Et là, chez nous, c'est au coutume. Hein. Mais nous souhaitons, avec le peu de temps qui nous a laissé rester là, que la mairie doit penser avec, à nous, avec quelques bains pour rembler un peu la cour. Ça va être... Débroussailler et curer les caniveaux sont les activités dont le responsable s'engage à mener dans les prochains jours pour rendre effectif la rentrée scolaire. Après les communes du 1er, 7e et 9e arrondissement, l'équipe de salubrité multisectorielle était dans la commune du 10e arrondissement pour le nettoyage de l'aire d'abattage de Lamadi. On fait le point avec Guillaume Benguéry. Pour sauvegarder et rendre sain cet espace destiné à l'abattage des têtes de bétail, l'équipe de salubrité multisectorielle, conduite par la sous-directrice de santé publique, vétérinaire et de l'hygiène, s'est rendue cette fois-ci dans la commune du 10e arrondissement où elle a nettoyé l'aire d'abattage de Lamadi et ses alentours. Par cette action citoyenne, l'équipe entend assainir ces lieux afin d'éviter tout risque lié à la consommation de la viande. Dans son intervention, la sous-directrice a mis un accent particulier sur les abattages clandestins qui constituent un véritable handicap à la santé des consommateurs. Plusieurs abattages se font clandestinement dans les différents quartiers et tout. Et nous avons une cellule permanente de lutte contre les abattages clandestins avec des répressions régulières, non seulement privilégier la sensibilisation à la population sur les risques de la contamination des denrées alimentaires qui n'est pas du tout inspectée par les vétérinaires, mais aussi de protéger la santé de la population. Toute viande qui sort sans cachet vétérinaire, c'est comme une viande qui est frauduleuse. Donc, on vous tient au courant déjà qu'on aura un numéro vert pour nous alerter à tout moment. Si des cas de tuberculose miliaire et de destomatose ont été constatés à l'aire d'abattage de Gassi et de Walia, à l'aire d'abattage de Lamadi, c'est la péripneumonie contagieuse bovine qui a été détectée lors d'une inspection. Un appel à la vigilance est lancé à l'endroit de tous. Dans le premier arrondissement, les responsables de la commune ont procédé ce matin à l'incinération des produits nuisibles, en l'occurrence l'alcool frelaté vendu en sachet. Adef Ahmad Benrama. La consommation de l'alcool frelaté et autres produits psychotropes est une véritable gangrène pour la jeunesse, surtout ces derniers temps. Dans l'optique de sauver les jeunes de la consommation de ces produits qui les détruisent, la commune du premier arrondissement a procédé de manière systématique à une opération de ramassage de ces produits. Des descentes sur le terrain ont permis de mettre la main sur une quantité qui vient d'être incinérée. Le maire de cette commune
justifie davantage la portée de cette opération. Nous avons constaté que pourquoi les jeunes sont en train de faire des désordres. La nuit, ils font des désordres, dans la journée, tout ça. Cet alcool-là est très dangereux. C'est vraiment un petit sachet qui a beaucoup de doses. Nous avons trouvé ça au quartier Djougoulier. C'est le quartier le plus peuplé de la commune du premier arrondissement. Nous avons remarqué que les jeunes sont en train de se détruire. On a dit que non, si c'est ça qui détruit les jeunes, nous on va détruire avant que les jeunes soient détruits. Cette opération de la vie du maire se poursuit dans toute la commune du premier arrondissement. En religion, prélude à la conférence internationale sur les enfants du mouvement Fenêtre 414 qui sera organisée du 17 au 20 septembre prochain ici à N'Djamena. Une conférence de presse a lieu cet après-midi à l'Assemblée chrétienne La Bonne Nouvelle. Le sujet sur les préparatifs de cette conférence était au centre de l'échange, des échanges entre la presse. Apolline Ganich. C'est un panel composé de deux pasteurs et de la coordinatrice du mouvement Fenêtre 414 du Tchad qui a fait face aux journalistes pour aborder les questions relatives aux préparatifs de la conférence internationale sur les enfants du mouvement Fenêtre 414. Parler de la Fenêtre 414, c'est parler de la tranche d'âge de 4 à 14 ans qui constitue une fenêtre d'opportunité pour annoncer l'évangile et préparer les disciples. Au cours de cette rencontre, des questions liées à l'encadrement, au soutien des enfants, au choix de travailler avec les enfants de 4 à 14 ans, à l'impact et aux défis de la fenêtre 414 ont été largement abordées. Répondant aux préoccupations des journalistes, les conférenciers se sont relayés pour affirmer qu'instruire l'enfant dès son bas âge, c'est le mettre sur le droit chemin afin qu'il ne s'en détourne point une fois devenu adulte. Nous vivons un temps où les parents pour beaucoup démissionnent de leur responsabilité des parents et abandonnent les enfants à eux-mêmes. Et le temps est venu pour qu'à cette conférence, on mette un peu l'accent sur cette partie de la responsabilité des parents, qu'ils ne s'attendent pas que l'enseignant, le maître qui n'a que quelques heures là-bas, ne puisse mieux s'investir pour que cet enfant devienne quelque chose d'important dans la vie du pays. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne est le thème de la conférence internationale du mouvement Fenêtre 414 tirée du livre de Jérémie dans la Bible. Pour les hommes de Dieu, il faut redynamiser l'engagement des avocats des enfants afin qu'ils continuent leur œuvre auprès de ceux-ci dans la nation. La vision de ce mouvement-là, c'est de voir effectivement des enfants qui ont connu la vérité, qui sont en train de transformer leur nation, d'impacter leur nation. Donc si on veut rechercher l'impact de Fenêtre 414, eh bien il faut voir l'impact que cela va avoir eh bien, sur les nations. Les enfants ont profité de l'occasion pour exécuter des chansons pour louer Dieu. Orienté vers les enfants âgés de 4 à 14 ans, le mouvement Fenêtre 414 vise à mobiliser le peuple de Dieu afin d'atteindre, de libérer, de former et d'envoyer les enfants et les jeunes et de transformer leur monde par le pouvoir de Christ. La conférence internationale 414 se déroulera du 17 au 20 septembre 2019 à N'Djamena et regroupera des participants de plus de 15 pays. Et puis en culture, le réseau des artistes Voix de Vivre Ensemble a réalisé une série de clips intitulée Vivre Ensemble au Kulina Sawa. Objectif amener les Tchadiens à privilégier la paix. Amad Ngarasta. La question de la cohabitation pacifique préoccupe le réseau des artistes dénommé Voix de Vivre Ensemble. À travers ce film, le réseau veut apporter sa pierre à l'édifice national de la culture de la paix et de la cohabitation pacifique entre les filles et fils du Tchad. Ce film invite la population tchadienne à une prise de conscience. Nous demandons
la participation et le soutien de tout un chacun. De l'État, des personnes ressources, des bonnes volontés peuvent nous accompagner. Et ensemble, nous allons sensibiliser nos parents dans les villages, dans les féries. Le réseau des artistes Voix de Vivre Ensemble entend mener des actions de sensibilisation sur la cohabitation pacifique dans les provinces, notamment le Wadaï, le Sila, le Bata et la Tangilé dans les jours à venir. En sport, le match de la Supercoupe de la Ligue de football féminin s'est joué hier au stade Idriss Mamad Ouya, un match qui s'est soldé par la victoire de Retrouvailles FC face à Circus FC. Score final, 1-0. Le championnat de la Ligue de football féminin qui a commencé le 25 juillet dernier s'est achevé ce jeudi 12 septembre 2019 par la finale de la Supercoupe. Ce match a mis en duel les deux meilleures équipes du championnat. Il s'agit de la sélection du centre culturel sportif Circus FC et celle de Retrouvailles Football Club. Après le coup d'envoi donné par Mme Jondankep Yekene Denise, représentante de la ministre de la Femme, le match a commencé très timidement entre les deux formations. Un match avec beaucoup de déchets techniques de part et d'autre. Pas de tir cadré durant toute la première partie. De retour sur la pelouse, ce sont les joueuses de Retrouvailles Football Club qui essayent la méthode offensive. Ce nouveau système de jeu va finalement payer à 3 minutes de la fin du match par ce but de l'attaquante Claudia de Retrouvailles Football Club. Un but qui va rester jusqu'au coup des sifflets finales. Les deux là qui vont représenter, comment on appelle ça, la ville de N'Djamena pour les championnats nationaux qui va se dérouler. Donc moi je pense que la Ligue de football N'Djamena a fait des efforts. Parce que dans le passé, le football féminin, c'est un football un peu amateur qui n'est pas un peu développé. Mais ce que vous avez vu aujourd'hui, le football féminin est en voie de développement. Le match a été une occasion pour les organisateurs de recevoir les attestations. Un moment également qui a permis de récompenser les joueuses qui se sont démarquées des autres par leur talent durant la compétition. Le prix de la meilleure joueuse est revenu à Rambaï Yanoudi Marlise de Circus FC. Le prix de la meilleure buteuse a été donné à l'Arkingham Solange de RFC avec 19 réalisations. Kaltouma Béatrice de RFC également décroche le prix de la meilleure gardienne de but. Celui du meilleur entraîneur est empoché par Mourba Jonas de l'équipe RFC. L'équipe de Circus FC se contente de la place du vice-champion. Et la sélection championne du championnat de la Ligue de N'Djamena est l'équipe de Retrouvailles Football Club. Et puis demain, 14 septembre, se jouera au stade de Paris-Congo à 15h la finale du tournoi exceptionnel Copa du football féminin. Un tournoi initié par le réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad. L'annonce a été faite par le directeur général de Technidev, Kalio Fadoulou Doutoum, au cours d'un point de presse. Un extrait de ses propos. Ce tournoi exceptionnel Copa est une plateforme de sensibilisation, de conseils et d'orientation des jeunes sur les questions liées à leur santé reproductive, mais aussi sur les questions liées à l'éducation. C'était aussi un cadre de contribution à l'élaboration du message du Tchad pour le sommet de Nairobi de novembre 2019, célébrant les 25 ans de la CIPD, qui est la Conférence internationale sur la population et le développement. La finale qui opposera deux équipes phares du foot féminin de N'Djamena, à savoir Circus FC et l'école de foot Ngaba, aura lieu ce 14 septembre 2019 avec la participation active du ministère de la promotion des jeunes, des sports, de l'emploi et de la Ligue de football de N'Djamena. Nous invitons le public à venir massivement au stade municipal de Paris-Congo ce samedi à 15h.
ce communiqué de presse initialement prévu du 12 au 14 septembre 2019 au palais du 15 janvier, le Salon international de l'artisanat tchadien SIAT est reporté du 11 au 13 octobre 2019. Le comité d'organisation informe par ailleurs le public que la journée nationale de la promotion de l'artisanat sera commémorée le 24 septembre 2019 au centre artisanal de N'Djamena pour valoriser les œuvres artisanales. Made in Tchad, voilà, c'est un communiqué du comité et d'organisation. Une triste nouvelle au bas de ce journal, le général Mamari Dimé Gakina n'est plus, il a tiré sa révérence le 9 septembre 2019 en France et des suites d'une maladie grand commis de l'État. Feu général Mamnani Dimé Gakina fut vice-président du Conseil supérieur militaire dans les années 1980. Il a également pris part aux activités, aux négociations de Khartoum, de Kano 1 et 2 pour la stabilité du Tchad. Le général Mamani Dimé laisse après lui 9 orphelins. Paix à son âme. Et puis cet acte du chef de l'État 1533 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après au ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales. Inspection générale de l'administration du territoire, inspecteur général adjoint, monsieur Abderrahman Ali Mahamat en remplacement de monsieur Mokhtar Ngaralbay Tombalbay appelé à d'autres fonctions. Direction générale du ministère, direction générale de l'administration du territoire, directeur général monsieur Mahamat Gali Mala en remplacement de monsieur Mahamat Mboudou appelé à d'autres fonctions. Direction de l'intérieur, directeur monsieur Mokhtar Ngarbay Tombalbay en remplacement de monsieur Hissène Hamid Loni appelé à d'autres fonctions. N'Djamena le 13 septembre 2019, Idriss Déby. C'est la fin donc de cette édition au nom des équipes techniques et rédactionnelles. Je vous remercie de l'avoir suivi. Très bon suivi des programmes sur Télé-Tchad et à très très vite sur la chaîne nationale. Bonsoir.